Oh, les cartes. Regardez. Les cartes Harry Potter. Regardez, ça c'est une pièce d'échec. Vous pouvez le voir dans Harry Potter à l'école des sorciers, lorsque Ron monte sur l'échiquier. Et voilà, c'est pour essayer de passer de l'autre côté, vous savez, pour aller tuer le basilic. Et donc il se sacrifie, mais il n'est pas mort. Bon bah je vous spoil, hein. Désolé, hein. Pour celui qui n'a pas vu, cher Potterheads. J'ai spoilé, désolé, hein, c'était plus fort que moi. Et voilà. Et c'est vrai, ce cavalier, il est à combien? 90 euros. Là, je vous ai spoilé, mais franchement, il faut vraiment se mettre à regarder le premier épisode, le premier film Harry Potter à l'école des sorciers. Là, j'avais les bougies, excusez-moi, j'en perds mon latin. Les bagues, etc. Les bijoux, voilà, les bijoux pour femmes. Elles sont toutes, hein. Il y en a 8,50, d'autres à 7,90, d'autres à 5,90. Et celle-là, là, il y a au moins 4 bijoux. C'est 28,90 €. Ouais, ok. Voilà, voilà. Vous avez un petit aperçu de tous les bijoux qu'il y a dans Spell Shop. Voilà. Oh là, le château de Poudlard en grandeur nature. Oh là là, c'est magnifique. Vous avez vu, là, c'est fait en... comment dire ça, en carton. Ouais, c'est ça. Hein. Et donc, c'est vraiment très très précis. Hein. On voit tous les détails. Mais par rapport au film, j'avais envie de vous parler du château de Poudlard. On le voit sur un rocher en hauteur, mais c'est dommage que dans les films, même on voit que le château est en hauteur et que le reste est descend. Voilà. Donc ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de décalage entre les fondations. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Par exemple, vous voyez ici là, la tête du château, là, celui-ci. On va être tout en haut et les autres vont être en dessous. Voilà. Et dans le making of Harry Potter, c'est vrai que c'est exactement pareil, mais il y a un décalage. Voilà, voilà. Alors voici les valises. Donc différentes valises, comme je vous disais. Alors, la décoration est top, hein. Franchement, c'est vachement sympa. Donc cet univers. Là, on a Serpentard. Serpentard, Serre d'Aigle. Oui, les différentes maisons, les quatre maisons. Serre d'Aigle, voilà. Serpentard. Poussy. Et Gryffondor. Les petits porte-clés, un 12,90. L'autre, c'est le Vif d'Or, un 9,90. Voilà. On doit compter un porte-clés entre 5,90 et 12 euros, à peu près. 12,14,90. Voici les potions, les différentes potions. Comme je vous ai dit, j'avais la potion du basilic et la potion... du dragon, voilà. Maintenant il me faut la potion du phénix, la potion de la sirène et la potion de la licorne. Alors c'est pas mal au sol, il y a des inscriptions là, vous voyez. Comme Luna Lovegood est à Serre d'Aigle, bah, ils ont fait une petite, un petit parchemin où est écrit son nom et son prénom sur Serre d'Aigle, parce qu'elle vient de Serre d'Aigle. Voilà.
Voilà. Ici, on a bien Drago Malfoy avec le parchemin, etc. Et en face du parchemin, nous avons Serpentard, puisque Drago Malfoy est ambitieux, rusé, et puis voilà. Un peu. C'est Serpentard, quoi. Voilà. Merci. Là, on a Cédric Dugory. Alors, je vais vous poser une question, puisque nous sommes au moment de la nuit des livres Harry Potter du 3 au 6 février. Alors, Cédric Dugory fait partie de quelle maison? De qui? Oui, dites-moi. Alors, je vous laisse quelques secondes. Je vous laisse 5 secondes pour m'envoyer, par exemple, un tweet et dire ce que c'est. Je vous donnerai pas la réponse. C'est à vous de le savoir. Merci. Et là, évidemment, Harry Potter, toujours dans ce parchemin. Cette fois-ci, c'est une question facile, hein. Dans quelle maison est Harry Potter? Bon. Là, je ne vais pas vous donner d'indice, c'est à vous de voir. Si vous êtes cher Potterheads, fan d'Harry Potter, donc vous le saurez facilement. Mais pour ceux qui ne sont pas fans d'Harry Potter, qui n'ont pas vu le film d'Harry Potter, je leur conseille de voir et ensuite de suivre mes vidéos Joe Cage. Merci à vous. Bonne journée. Vous voyez là, ce petit magazine. C'est pas un magazine, c'est un livre Panini. Très intéressant. Ça, c'est ce que j'ai vu sur une vidéo. Alors là, on a des baguettes, mais des baguettes inconnues. C'est des baguettes surprises. Donc on ne sait pas quelle baguette on va trouver. C'est ça qui est intéressant, c'est le mystère, le côté mystère de savoir avec quelle baguette on va pouvoir faire un sort, etc. Quelle baguette, à quel magicien, à quel excusez-moi, sorcier appartient-elle? Voilà, c'est vachement intéressant. Là, il y a même, des micros USB. Par exemple, si vous voulez voir un film ou des trucs comme ça, voilà. Et non, en fait, c'est pour... Excusez-moi, attendez, qu'on regarde bien ce que c'est. Ah oui, c'est une clé USB pour recharger vos portables. Voilà, il est à 18,90€. Oui, parfait. Regardez, dans le sol, il y a des traces de pas. Attendez, je vais essayer de voir si c'est la même pointure que moi. Ouais, c'est la même pointure. Ils ont pensé à moi, un truc de ouf. On va regarder. Ah oui, c'est ma pointure. C'est du 41. Moi, je me disais aussi, ouais, je pense que ça, c'est bien du 41. Ouais, c'est ça. Là. Attention, attention. Encore des traces de pas. Regarde, celui-là, c'est bien. Marche dans les traces de pas. En fait, c'est mes traces de pas, à mon avis. Parce qu'en fait, elles sont de la même taille. De la même taille que mon pied, ça doit être du 41, je pense. Ouais, c'est ça. Cher Potterhead, cher Moldu. Non, je ne vais pas poser la question à des moldus. Moldus, vous ne pourrez pas savoir, puisque vous détestez les sorties. Et donc, je pense aux Potterheads. Hermione Granger fait partie de quelle maison? Eh, je vous donne pas d'indice. Mais bon, elle connaît bien Ron Weasley et Harry Potter. Ce sont des amis. Il n'y aurait pas plus. Pour une Potterhead, il n'y a pas de problème. Mais la question que je dois poser, c'est au Moldu. Est-ce qu'un Moldu va pouvoir un jour regarder un film de sorcier? Sachez que dans Le Secret de Dumbledore, le troisième volet des Animaux Fantastiques, un Moldu va devenir un sorcier. Voilà. J'arrête de parler, je vous montre. La boutique est à vous de vous en faire une idée. Contemplez la vue.